Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment poser des stores sur une véranda, sur des portes vitrées véranda, pour justement éviter que le soleil ne chauffe trop la véranda, surtout l'été évidemment, pour essayer de réguler la température. Je vais vous montrer tout ça, ce n'est pas compliqué, il y a des règles à appliquer et normalement, voir, c'est pas trop compliqué à installer. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo et je vous en remercie encore de vous abonner pour mes prochaines vidéos. On est parti, je vous montre ça, c'est parti. Alors voilà le matériel que j'ai reçu, donc les lames qui vont isoler parce qu'il y a un peu d'alu dessus, ça se voit pas beaucoup, ainsi que les équerres qui sont arrivés, et on va voir les rails aussi. Ah, les rails ici, hop, un petit rail, voilà, qu'on va les mettre là dessus on va poser les équerres et mettre là dessus alors on va calibrer les équerres au niveau de l'écartement. Ici on peut régler avec une douille de 8 ici, et on va calibrer chaque équerre, hop, ici pour l'écartement entre la vitre et le donc maintenant j'en ai mesuré une, donc il suffit de reporter la mesure que j'ai mesurée à chaque, hop, et on serre et on va faire comme ça. Il y a à peu près, donc il y a 4 équerres pour soutenir le rail qu'on va poser. Donc vous voyez, on continue ici pareil, hop, voilà, on prend la même dimension. Donc l'écartement c'est en fonction de la bande. Comme la bande fait 125 à peu près, il faut que quand elle soit droite, elle ne touche pas à la vitre. C'est pour ça qu'on a un jeu d'écartement que je fais ici. Hop, voilà. Et la quatrième. Et voilà, comme ça. Après, hop. Voilà, ici, on fait pareil. Et donc, on ajustera éventuellement, si c'est pas assez, sur place. Voilà l'entretoise que je mets entre le rail, que je vais venir ici fixer, vous allez voir, c'est parti. Ici, je glisse ça, vous voyez, à l'intérieur du rail, et j'ai plus qu'à serrer, ici, tout simplement. Voilà. Conserve bien. On va mettre les 4 équerres sur ce rail, en suivant. Le rail enclipsé ici. C'est parti. Voilà, les 4 équerres. Ici, et maintenant on va poser le rail. Alors maintenant on pose le rail ici. Hop. On va glisser là dans l'encoche et on clique tout simplement ici, là, voilà, et en suivant là, et voilà. Et on n'a plus qu'à clipser chaque rail. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à enclipser ici, dans les encoches, les bandelettes. Donc c'est prévu à cet effet. Hop. Hop. Tout simplement. Hein, ça se... Et donc là, 5 par 5, on les a reçus. On les déroule. Tout simplement. Et on va faire comme ça tout le long. Ensuite, on enclipse les petites chaînettes pour tenir. Voilà, vous voyez ici, petit à petit, les petites chaînettes pour, hop, tenir les bandes ensemble, pour pas que ça s'envoie trop loin. Et donc petit à petit, jusqu'à la fin, tranquillement, on enclipse les chaînettes pour qu'elles tiennent entre elles, et on fera pareil de l'autre côté. Un suivant. Donc voilà, le rideau installé, on ferme. Et après, il n'y a plus qu'à obturer sur d'un côté ou sur de l'autre. Voilà, impeccable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments
pour pouvoir installer des rideaux, des stores sur une véranda. Je vous remercie encore une fois. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous en remercie de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci. Allez, au revoir à tous. À la prochaine.